6 février. Je crois que je suis malade. Mon état est bizarre. Le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit. J'essaie de lire, mais je distingue à peine les lettres. J'ai peur, sans savoir de quoi j'ai peur. J'écoute. J'écoute quoi? Une fois couché, je sens comme quelqu'un qui s'approche de moi, qui me prend le cou entre ses mains et qui serre de toute sa force. février. Ma situation s'est encore aggravée. Qu'est-ce que j'ai? Les anxiolytiques ne me font plus rien. Je suis sorti, pensant que l'air frais me ferait du bien. Et au milieu du bois, un frisson m'a saisi. Un frisson d'angoisse. J'avais le sentiment d'être suivi, qu'on marchait sur mes talons, tout près de moi. J'étais seul. février. Ce qui s'est passé ces deux dernières nuits est tellement étrange. Avant-hier, je bois un verre d'eau. Je remarque par hasard que ma carafe est pleine. Et je tombe endormi. Un sommeil épouvantable. J'ai de nouveau soif au milieu de la nuit. La carafe était vide. La chose s'est reproduite hier. Je veux savoir, je dois savoir si je suis en train de devenir fou ou pas. 12 février. C'est à peine croyable. Hier, avant de me coucher, j'ai enveloppé la carafe de linge blanc. Je me suis barbouillé de cirage. Mais pas d'eau non plus. Maintenant, je sais que quelqu'un boit mon eau. 13 février. Hier soir, j'ai fait semblant de travailler. Je savais bien qu'il viendrait rôder. Quinze février. Mes portes s'ouvrent, mes placards claquent. Hier soir, j'ai passé une soirée atroce, il a encore bu. Il est mort.